il y a 10 ans, j'ai eu envie de dessiner un chibre dans la cour de chez moi en Ardèche. Regardez. Cette année, c'est l'année du mystère et de la découverte. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tracé de la civilisation de Nazca. Oui, la civilisation de Nazca qui... Une culture pré-incaïque du sud du Pérou qui développa en 300 avant Jésus-Christ. Des géolithes. Yo, là, c'est la place qu'on a pour créer nos signes de Nazca à nous. Il faut qu'on soit intelligent et qu'on utilise toute la place disponible parce qu'on n'a pas tant de place que ça par rapport aux Incas qui quand même avaient plus de champs que nous, hein, mais ils avaient moins de voisins aussi. Voilà. Donc, l'idée, là, c'est, à mon avis, nous allons faire une testicule ici, une autre testicule ici, et le chibre sera de toute cette longueur, d'accord? D'accord. Je te laisse l'outil, je te laisse descendre et je te guide d'en haut. Non, non, non. C'est trop pas rond. C'est ce que je disais. Faudrait que je la fasse. Attends, je descends. Je pense. C'est bon ? Est-ce que cette bite peut être vue du ciel? Il n'y a qu'une manière de le savoir. À droite, tu as un joli dessin dans la cour. Ouais, on voit le dessin qu'on a fait dans la cour. Rajoute un pouce bleu! Parce que sur YouTube, les pouces c'est hyper important, sinon personne voit la vidéo. Mais je te force pas, hein. Ça serait sympa. Abonne-toi à ma chaîne! Si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos! Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.